Une Française achète en moyenne un maillot de bain tous les 2 ans. Parmi eux, peut-être un modèle de la marque 8. Depuis 1968, ce fabricant moyen haut de gamme siège à Rennes. Si la création se fait à Paris et la confection en Tunisie, la mise en forme est restée bretonne. Dans cet atelier, les modélistes reçoivent les dessins réalisés par les stylistes. Avec les couturières, elles vont leur donner vie. C'est excitant parce qu'on découvre du coup les nouveaux thèmes, les nouvelles couleurs. Après, produit par produit, il y a des produits qui nous inspirent plus à travailler que d'autres et d'autres qu'on imagine moins déjà faisables. Donc sur celui-ci, enfin sur ceux-là, en tout cas, on réfléchit plus et oui, ça devient un peu stressant. Normalement, là, on a 3. OK. Ouais. Là, tu as un 8, mais là, tu n'as pas les 1 cm qu'on doit avoir. Tous les thèmes dessinés n'aboutissent pas. Pour des raisons techniques, financières, un modèle sur 3 est écarté. Avant que la confection soit délocalisée au Maghreb, jusqu'à 150 personnes travaillaient sur ces machines. Aujourd'hui, le site en emploie une 60aine. La marque vend 400 000 modèles par an et sort 2 collections, dont une l'hiver pour l'hémisphère sud. 8 vend partout dans le monde, ce qui l'oblige à adapter ses créations aux différentes morphologies, à commencer par les profondeurs de bonnet. En Asie, on est plus sur de la profondeur A, de la profondeur B, alors que sur le marché pour les États-Unis, notamment, on est plus sur du F. Actuellement, la marque travaille sur la collection été 2016. Préparez-vous au retour en force du maillot de bain, une pièce, déjà amorcée cette saison.